C'est la première sortie pour les trois petites oies. Elles me suivent à la trace. On a passé un peu de temps sur le canapé ensemble, devant la télé. Alors le petit caneton qui était très attachant au début, maintenant il a peur. Donc les canetons sont naturellement méfiants. Ils acceptent d'être à 10 cm de la main, mais ils acceptent pas d'être tenus. Alors que les oies sont beaucoup moins craintives, je trouve. Mais bon, c'est quand même des animaux qui n'aiment pas être pris en main, qui n'aiment pas être soulevés. Si j'essaie de l'attraper, il va s'affoler, il va battre des pieds. Donc il faut le plus possible les laisser nous suivre d'eux-mêmes et pas les transporter si on peut. Mais pour les sortir de la boîte en carton, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous faites là? Le fauve est très intéressé par ce qui se passe. Ils étaient en train de goûter le pissenlit et le plantain. Et en allumant la caméra, ça fait un petit son. Ils sont venus tout effrayés. Du coup, on s'est mis à l'ombre. C'est bien les petits, c'est bien. C'est votre boulot pour les 20 prochaines années. Vous me tondez la pelouse et vous me tondez le pré. Faut que ce soit bien, bien ras comme herbe. Bon, les trois petits canetons ont le droit de sortir aussi. Ils suivent les oies mais ils me font pas encore confiance, ils ont plutôt peur de moi. Les canards sont plus méfiants, mais tant qu'on les manipule pas, ils restent assez confiants. Ils restent dans le coin. Et j'ai bien envie que cette portée-là ne panique pas dès que je change leur parc de place. Donc je vais essayer de les rendre plus autonomes et les inciter à me suivre plutôt que de les tirer vers moi. Ça marche pas aussi bien avec les poussins, il y en a deux ou trois qui veulent pas suivre. On va réessayer. Il y en a un qui suit mais il est paniqué parce qu'il est tout seul. Je crois que je vais rentrer les autres.